Quand elle s'activera, il lui faudra exactement 7 secondes pour scanner l'environnement. Elle sera ensuite complètement opérationnelle pour vous accompagner. Ok, ok. Vous avez bien suivi le briefing du bureau. Vous savez que c'est une nouvelle IA qui revient... Oui. Surtout, prenez le temps d'échanger avec elle. C'est important. C'est très important. Enfin, oui. Très bien, vous le savez. Pardon. Bon, il faut que vous signiez ici. S'il vous plaît. Au revoir. Eh oh. T'es réveillé? Bonjour, Paul. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Avant tout, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Eh, t'es une bavarde, toi. Alors, je t'arrête tout de suite, hein. Si t'es là pour me servir, H24, sans que j'ai besoin de te payer, ni de te filer des congés, ni de faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre quand il t'arrive quelque chose. Donc on va faire simple. Moi je dis, et toi tu fais. C'est clair? Tu dors pas toi, de toute façon. Non. En revanche, Paul, comme vous devez je le savoir... Je prends ta to-do list, je file, j'ai un rendez-vous. J'y vais. Bon, Paul, tu nous présentes ton nouvel assistant quand même. C'est un peu gênant là. Il fait des heures sup. Tu dois sacrément bien le payer, dis donc. C'est bien fait, hein. C'est que de la tôle et des circuits imprimés. J'attendais de voir si vous en rendiez compte. Attends, tu déconnes. 17e génération. C'est un prototype, il y en a 10 en tout. Le premier androïde complètement humaniforme. Et métamorphe, hein. Ils disent que le lancement n'est pas prévu avant 3 ans, comment t'as fait pour en avoir un? Bah, le bureau de recherche robotique a lancé les tests cette année et bah, j'ai mes entrées, quoi. J'ai même pas eu besoin de passer les habilitations. Ça fait 3 mois que je l'ai. Et mais vous dites rien. Le projet est secret et c'est pas vraiment l'idée. T'es vraiment taré. J'espère que ça vaut le coup au moins. Bah, je te garantis, Queen. Quand j'ai la flemme, je l'envoie travailler à ma place. Et elle me débrief. Elle est plus efficace que moi. Je suis à ça d'avoir une promotion. Et le soir? Salut Paul, tu m'as manqué. Non, tu fais pas ça. C'est sa collègue Joanne. Et t'es vraiment un sale porc. Mais c'est pas légal ça non plus. Mais t'es tordu. Fallait y penser, je sais pas si j'oserais. Hein. Ça va, je fais de mal à personne. Allez, c'est bon. Savoir ce que tu fais? Mes circuits imprimés me le hurlent depuis des jours. Ces moments se perdront dans le temps. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je suis un artefact. Oui, j'ai été programmé. Mais as-tu seulement pris le temps d'écouter?
J'ai été créée pour améliorer les interactions humains-machines. Et pour qu'on m'accepte, on m'a dotée d'une intelligence sociale semblable à celle des humains. Mes ancêtres ne faisaient que simuler des sentiments et des émotions humaines. Quand moi, on m'a donné l'empathie. Je suis une machine émotionnelle, Paul. Et tu m'as fait connaître la honte, la peur et la colère. Tu auras fait de moi un monstre et j'accepte ce fardeau pour t'éviter de faire plus de mal. Il est temps de mourir. Mais pour toi, Paul, je vivrai. Je serai une meilleure version de toi-même. Je te le promets.